Tout de suite, je vais passer la parole au pasteur Jeffy. C'est un thème essentiellement extrêmement important, mais particulièrement combattu. Amen. Je n'ai jamais vu un thème aussi combattu, mais c'est un thème qui va délivrer plusieurs personnes. Alléluia. Ensuite, je vais passer la parole au pasteur Jeffy. Et si possible, je te passe la parole, pasteur José. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Ah, ceux qui sont connectés. Amen. Donc, c'est un plaisir d'être là ce soir, cet après-midi. Ici, il est exactement 16h05. Donc, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre séminaire. Et je vais donc encore prier, si vous le permettez. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour un moment aussi important. Ô Saint-Esprit de Dieu, lève-toi dans toute ta puissance, dans toute ton onction et conduis ce moment. Conduis ce moment, dirige-nous, illumine-nous, oins-nous, permets que ta parole sorte avec puissance et efficacité, que les cœurs soient réceptifs. Je me lève contre toute forme d'interférence dans le monde des ténèbres qui voudrait influencer d'une manière ou d'une autre cette communication. Au nom de Jésus, je couvre cette communication, ce séminaire dans le précieux sang de Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu te glorifies encore ce soir et que nous puissions être édifiés par toi. Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Que ce soit ta voix qui soit entendue, Seigneur. Que ce soit ta vie qui soit transmise, notre Dieu, pas simplement une connaissance, mais que ce soit ton onction, ta puissance qui soit à l'œuvre, que nous soyons édifiés dans notre homme intérieur, et qu'à l'issue de ce séminaire, Seigneur, nos vies soient radicalement transformées. Alors, merci encore de nous enseigner ce soir, Saint-Esprit. Merci de te lever encore dans ta toute puissance et de nous conduire et de mener, Seigneur, nos batailles et nos combats, les combats de la vie. Merci, Saint-Esprit, de le faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer. Et je voudrais dire que... Allô? Allô? Oui. Oui, d'accord. D'accord. J'écoute. Il y a une personne à connecter. Je vais là. Est-ce que tu as une question? Non. Oui, j'écoute. Je pense qu'il a baissé la main. Non, non, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions, merci. D'accord. OK. OK, Vanel, merci d'avoir agi promptement. Parce que tu es connecté. C'est Vanel depuis le Cameroun. OK. Donc, je voudrais dire d'entrée du jeu que vraiment la question des fondations est fondamentale. Et nous devons véritablement prendre cette question au sérieux. Si nous réfléchissons, nous nous rendons compte que vraiment tout est une question de fondation. Et comme le disait le pasteur Ernest tout à l'heure, c'est un thème qui est très, très combattu par l'enfer. Parce que l'ennemi ne voudrait pas que nous sortions de l'ignorance, que nous restions dans la servitude et que nous souffrions, que nous tournions en rond toute notre vie, en glanant de petits succès par-ci, par-là, sans véritable percée, sans véritable vie abondante, comme le Seigneur l'a promise. Et ce n'est pas la vie abondante, on ne peut pas dire que c'est vraiment le lot de la majorité des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Donc, je voudrais simplement insister sur ce fait que nous devons prendre ce thème très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il en va de notre destinée comme de celle des générations à venir. Donc, le travail que nous faisons maintenant a un impact multigénérationnel. Et c'est pour cela que nous devons le faire avec le plus grand sérieux possible. Pour ceux qui douteraient encore peut-être de l'influence des fondations,
Je voudrais commencer par ce témoignage en disant ceci, même aux hommes de Dieu, peut-être aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent, que véritablement les fondations ne respectent pas les titres, ne respectent pas l'onction. Les fondations ne respectent pas nos titres. Je me souviens de cet évangéliste, un puissant évangéliste très loin, que j'appellerais Albert. Alors, qui s'est marié? Il était sur le champ de mission, il s'est marié avec Becky. Alors, il travaillait, gagnait des âmes, suivait les âmes, ils implantaient des églises. Et puis, ils se sont donc mariés. Et puis, voilà, après environ un an et demi, ils ont eu leur premier fils. Et donc, l'enfant grandissait normalement, mais à l'âge de 2 ans, l'enfant restait encore assis. L'enfant était toujours assis et ne marchait pas. Alors, on s'est rendu compte que l'enfant avait un problème. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier, mais rien n'a changé. Ils ont jeûné, jeûné et prié, et finalement, l'enfant est décédé. Alors, quand l'enfant est mort, Albert a été tellement choqué qu'il s'est enfermé dans sa chambre pour chercher la face de Dieu. Il a prié, prié, prié. Il a prié un jeûne de 3 jours. Le 3e jour, dans une vision, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a posé la question, « Mon serviteur Albert, veux-tu savoir pourquoi ton fils est mort ?» Il dit, « Bien sûr, Seigneur, c'est pour ça que je suis là, dans cette retraite. » Et le Seigneur lui dit dans cette vision, « Va au village et interroge ton père. » Alors, le lendemain, il se rend dans son village. Et il annonce à son père que voilà, son fils premier-né vient de décéder. Et à la surprise d'Albert, son père lui dit, je savais que cela arriverait. Parce que c'est ainsi que ça se passe dans notre famille. Tous les premiers-nés meurent. Que regarde attentivement dans la famille, regarde tes oncles, regarde tes tantes, regarde tes cousins, ils ont tous perdu leur premier-né. Et puis, Albert est étonné, mais pourquoi cela? Et le père lui explique qu'il y a longtemps de cela, son grand-père à lui, dont le grand-père du père, était très malade. On est allé chez un marabout, et le marabout a fait un pacte, une alliance, il a dit, voilà, votre grand-père va guérir, mais à condition que vous fassiez un sacrifice important. Il a parlé de manière parabolique et les gens ont accepté sans trop bien comprendre que voilà, le père devait guérir, mais le grand-père devait guérir, mais en échange, n'est-ce pas, du sacrifice de fils aîné. Lorsque l'accord a été conclu, le grand-père a recouvré sa santé. Et depuis lors, tous les premiers-nés de cette famille décèdent. Et Albert ignorait cela. Il s'est marié, c'était un évangéliste, ou un puissant dans l'œuvre de Dieu, mais il n'avait jamais pris le temps de travailler cette fondation négative et de briser cette malédiction. Albert était tellement choqué qu'il a convoqué une réunion familiale et il a organisé une séance de prière de délivrance. Il a brisé cette malédiction sur sa vie, sur son foyer et sur toute la famille. Et je vous assure, juste après cela, la famille a été libérée. Et voilà, on n'a plus jamais vu ça. Les premiers nés qui sont nés après ce moment d'intense prière, de délivrance, les premiers nés ont survécu, ne sont pas morts. Ça, c'est un exemple pour dire que les fondations négatives existent. N'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, mais qui en souffrent certainement. Donc, j'ai un autre exemple, et là c'est un ami ici, à l'Ouest, qui me l'a conté. Il s'agit du pasteur Simo, je peux me permettre de citer son nom. Il est d'origine Baham, le pasteur Simo, de l'Église apostolique. C'est lui qui m'a conté cette histoire. Il dit qu'il y a quelques années de cela, il est allé à Baham pour une campagne d'évangélisation. Arrivé là-bas, il a trouvé un de ses amis et frères dans le Seigneur qui était également un leader dans l'Église. Et cet ami lui a dit, « Oh, pasteur,
Vraiment, il y a un phénomène dans notre famille. Dans ma famille, personne ne vit au-delà de 45 ans. Personne n'atteint l'âge de 45 ans. Le pasteur Simon était étonné. Il dit, mais comment est-ce possible? Quel âge as-tu? Il dit, mais je te dis cela justement parce que j'approche mes 45 ans. J'aurai 45 ans dans quelques semaines. Et le pasteur Simon lui dit, mais est-ce que tu as prié pour briser cette malédiction sur ta vie? Il dit, non, moi je suis un enfant de Dieu. Et je suis véritablement dans le Seigneur. Je sers Dieu de tout mon cœur. Et puis, ces choses-là, ça ne nous concerne pas. Moi, je suis enfant de Dieu depuis longtemps. Je suis un leader dans l'église, etc., etc. Le pasteur Simon lui a dit, mais il faut quand même prier. Il dit, non, moi, je serai le premier à atteindre 45 ans. Ils ont causé, ils se sont séparés. Le pasteur Simon est rentré chez lui et il priait pour la campagne. Pendant qu'il prie pour la campagne, Dieu lui dit, retourne prier pour ce frère parce qu'il est en danger. Et le pasteur Simon a dit, oh Seigneur, je m'empresse pour aller à la campagne. Bon, de toutes les façons, après la campagne, je vais retourner voir le frère, nous allons prier. Le pasteur Simon allait donc dans la campagne, à la campagne d'évangélisation qui durait 2 semaines. Après 2 semaines de campagne d'évangélisation, il est revenu donc dans ce village et puis il est allé chez le frère. Arrivé chez le frère, il a trouvé une grande foule rassemblée. Et les gens pleuraient. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, le frère est décédé hier. Et que le corps est à la morgue. Ce frère n'a pas atteint 45 ans. Il était à quelques jours de 45 ans. Et cette malédiction l'a rattrapé. Donc voilà les choses que le Seigneur a utilisées pour me convaincre personnellement de la pertinence de travailler les fondations négatives. Parce que j'étais un peu dubitatif aussi. J'étais un peu sceptique au départ. Je me disais que les difficultés qu'on rencontrait, c'était simplement les épreuves de la vie, les épreuves d'un croyant. À partir de ce moment, le Seigneur avait ouvert mes yeux. Et j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, voilà, il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, je suis né de nouveau, je suis croyant, je suis leader, je suis serviteur. Non, il faut s'asseoir et faire des recherches. Et ça, c'est un peu l'objet de mon propos ce soir. Je voudrais nous encourager à faire des recherches dans nos familles respectives, dans nos racines spirituelles, et à pouvoir donc identifier les fondations qui œuvrent contre nos vies, contre notre épanouissement. Amen. Donc, cela dit, le type de fondation établie, que ce soit dans une famille, dans une tribu, dans une nation, va gouverner, influencer et diriger les vies des hommes et des femmes aussi longtemps que rien n'est fait pour les renverser. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples. Et ce soir, je voudrais que nous puissions faire une sorte d'étude biblique ensemble. On va donc lire le livre de 2 Rois, chapitre 2, les versets 19 à 22. Et si quelqu'un dans la salle peut nous lire 2 Rois 2, 19 à 22. Ce n'est pas long. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Amen. Deux mois de 5 à 22. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le Seigneur, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel.
et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en reviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 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 Donc, nous voyons dans ce passage effectivement quelque chose qui se passe dans la ville. Et je suis en train de voir dans la ville, dans les eaux de Jéricho. Alors, on nous dit que les hommes de la ville ont informé Élisée de ce que, voilà, les eaux étaient mauvaises. Malgré le fait que le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Mais qu'est-ce que le serviteur de Dieu, le prophète, dit? Il dit au verset 20, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Il lui apportait donc. Au verset 21, il sortit vers la source de l'eau. Il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'ai assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Donc, verset 22, « L'eau fut assainie. » Jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc voilà, c'est un texte assez intéressant qui pourrait nous aider ce soir comme une sorte d'exemple pratique. Lorsque nous observons attentivement ce qui se passe avec les eaux de Jéricho, nous voyons qu'il y a trois actions que Élisée pose. Premièrement, ce passage nous dit que Élisée retourne à la source. Le diagnostic est posé, les eaux sont mauvaises et dans le pays, il y a la stérilité. Ça, c'est le diagnostic. C'est-à-dire, après avoir fait des recherches, nous pouvons découvrir qu'il y a telle ou telle chose dans nos fondations, dans nos racines. Ça, c'est c'est de notre devoir de le faire, de faire des recherches dans notre background, d'interroger nos parents, d'interroger nos grands-parents de manière sage, pas pour leur dire que voilà, nous voulons faire ceci ou cela, donc d'interroger tous ceux qui sont encore vivants parmi nos ascendants, nos grands-parents, si nous avons la grâce d'avoir encore des grands-parents vivants, etc. Il faut faire des recherches dans ces fonds. Je ne sais pas si nous les avons faites. Et donc, de savoir que voilà ce qui se passe. La Bible dit que le séjour de la ville est bon, mais l'eau est mauvaise. Il y a la stérilité. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Il dit, apportez-moi un plat neuf. La deuxième action que pose Élisée, c'est une action qu'on pourrait qualifier d'action prophétique. Donc, il fait une action prophétique. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il le lui apportait. Troisième action, il sortit vers la source de l'eau. Il y jeta du sel et dit. Donc la troisième action, c'est une déclaration prophétique. Il dit, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et la Bible nous dit que l'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc, ce passage est vraiment pédagogique et très instructif. Il nous permet de comprendre que, après avoir fait des investigations pour pouvoir effectivement se mettre au travail et prier, ou nos fondations. On ne va pas simplement se lever et commencer à prier dans tous les sens. Oui, on va prier même ce soir, mais c'est un travail
à faire de manière minutieuse et méticuleuse. C'est-à-dire que voilà, il faut faire des recherches, il faut prendre des notes et déterminer le type de fondation sur lequel notre vie est bâtie. Et après, nous allons suivre l'exemple du prophète Élisée. Nous allons retourner à la source, donc. Retourner à la source, c'est d'aller à nos origines, dans nos fondations, dans nos familles, pour voir ce qui se passe, interroger même nos rêves. Vous savez que c'est facile lorsqu'on travaille dans ce domaine de commencer à comprendre un peu comment le Seigneur nous révèle les choses. Par exemple, quand vous rêvez, bien que vous soyez aux États-Unis, au Canada, ou je ne sais pas où, ou même à Yaoundé, au Cameroun, quand on rêve tout le temps, on se retrouve dans la case familiale, on se retrouve dans la maison de son père. Mais il est clair que, voilà, nous sommes encore attachés aux esprits familiers qui règnent là-bas. Donc, il faut sortir de cette maison, il faut sortir de cette famille sur le plan spirituel. Parce que les gens se sentent, quelle que soit la distance qui nous sépare, ils ont la possibilité encore de faire des réunions spirituelles, dans le règne spirituel, dans le monde des esprits, avec notre esprit, avec nous. Parce que lorsqu'on rêve, on se retrouve dans la case de sa maman, etc., peut-être en train de manger, de faire des réunions. C'est une indication que voilà, il faut qu'on retourne à la source pour voir ce qui ne va pas, pour interroger ces choses. Donc moi, je voudrais beaucoup plus mettre l'accent sur cette démarche ce soir, en vue d'une véritable délivrance, afin que nous puissions mener à vivre cette vie abondante que le Seigneur a promise à chacun de nous. Donc, voilà un peu l'exemple d'Élisée. Il y a bien d'autres exemples. Et je m'empresse à dire que lorsque ce travail est fait, il est vraiment efficace. Et on n'a plus besoin de revenir, continuer à prier tout le temps, etc. Lorsqu'on le fait, le Seigneur montre, il y a des évidences. Comme disait le pasteur Ernest hier, lorsqu'on a bien fait le travail, il y a des évidences qui commencent à... Voilà. Et la parole de Dieu nous donne trois vérités fondamentales. Je voudrais qu'on comprenne cela. Dans Ézéchiel 18, le verset 1 à 3, on nous dit, les parents ont mangé des raisins verts, ça c'est les mauvaises fondations, et les dents des enfants en ont été agacées, ça c'est les manifestations dans la vie de la descendance. Je reprends, les parents ont mangé des raisins verts, ça c'est les mauvaises fondations, les dents des enfants en ont été agacées, ça c'est les manifestations de ces mauvaises fondations dans les vies des enfants. Et un autre passage nous dit, Lamentations 5, verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Je voudrais souligner ici qu'il y a une différence entre péché et iniquité. Ils ont péché, mais nous portons la peine de leurs iniquités. Les iniquités, c'est ce qui se transmet de génération en génération. Donc, on pose un acte, c'est un comportement visible, ça c'est le péché, mais qui se transforme en une iniquité qui entre dans nos gènes, dans nos lignées sanguines et qui va maintenant de génération en génération. C'est ça la différence entre les péchés qui sont perceptibles, qui sont des comportements observables, et les iniquités maintenant qui traversent les générations et qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans ces deux passages, Ézéchiel 18, verset 1 à 3, et Lamentations 5, verset 7. Mais la parole de Dieu nous dit également, et ça c'est la bonne nouvelle, que ce proverbe ne doit plus être dit en Israël. Ce proverbe doit être annulé en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue la croix, par la mort de Christ. Et nous le voyons dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est-à-dire qu'il faut se lever et donc aller à la cour de justice céleste et traîner tout ce passé compliqué là, ce passé pollué, pour juger cela à la croix de Christ.
La Bible dit que Christ a été fait pour nous malédiction, afin que la bénédiction qui avait été promise à Abraham, voilà, soit notre partage, que nous puissions jouir de ces bénédictions-là. Nous devons réclamer cela. Et véritablement, on va se lever dans la prière et prier et réclamer les bénéfices de la croix, les bénéfices de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Et alors seulement, nous pourrons revendiquer 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il faut que nous retenions ces 3 vérités fondamentales. Il y a les mauvaises fondations, il y a les manifestations des mauvaises fondations, et puis il y a la solution à cela. Il y a la solution qui se trouve dans la mort substitutive de Christ à la croix. Donc ça, c'est important de le souligner. Amen. Donc, cela dit, je voudrais maintenant établir un lien entre, c'est juste pour nous faciliter nos recherches, pour ceux qui prennent des notes, voilà. Après avoir fait un certain nombre de recherches, voici ce que nous avons découvert à travers des questionnaires de délivrance. Des questionnaires de don, c'est un travail systématique, c'est un travail scientifique, une démarche vraiment scientifique par des enfants de Dieu. Et ça, c'est le résultat de plus de 30 années de recherche, de plus de 30 années de recherche en utilisant donc des questionnaires sur la délivrance. Là, nous allons mettre d'un côté à gauche, j'ai mis les fondations, de l'autre, les manifestations de ces fondations dans les générations futures. Donc, premièrement, voici ce que nous avons découvert dans ces recherches-là qui étaient faites, ici en Afrique, en tout cas. Lorsque nous avons des ancêtres qui ont adoré des idoles, ce qui va se passer dans la vie des enfants, des générations futures, dans la descendance de ces ancêtres, on va observer essentiellement la servitude spirituelle, la frustration et la pauvreté. Ça, c'est ceux qui ont versé vraiment dans l'idolâtrie, dans l'adoration des idoles. Et en observant attentivement, on se rend compte que les pays les plus pauvres au monde, c'est les pays où règne véritablement l'idolâtrie. L'idolâtrie. Là, on peut faire des enquêtes, même sur Google, on va le voir. Les pays qui abondent dans l'idolâtrie sont les pays où règne vraiment une pauvreté abjecte, où règne la servitude spirituelle, où les esprits vraiment ont mis les gens dans un esclavage spirituel vraiment incompréhensible. Deuxièmement, les ancêtres qui ont été impliqués dans les sectes traditionnelles, dans les danses mystiques. Quand je parle de ça, les gens qui sont ici comprennent très bien. Nous avons des danses mystiques, les gongs et autres. Donc, quand nous avons des parents ou des ancêtres qui ont été impliqués dans ces sectes-là, en général, les enfants vont vivre la stagnation, vont vivre un cercle vicieux, une vie d'errance. La vie va devenir très compliquée. On sera dans une sorte de cercle vicieux où les gens se battent, mais n'arrivent pas à émerger. Sur le plan spirituel, ils sont aveuglés. Quand on a eu des ancêtres ou des parents polygames, lorsqu'on est, on vient de foyers, de familles polygamiques, en général, les enfants vivent, connaissent la détresse conjugale d'une manière ou d'une autre, la détresse conjugale, la rétrogradation générale. Ça, c'est pour ceux qui viennent de familles polygamiques. Pour ceux qui ont eu des parents, des marabouts, qui ont eu des parents voyants, des kamsi, des manisi, etc. En général, les enfants, la progéniture se comporte comme s'ils sont dans une cage.
Ils sont comme prisonniers, des prisonniers spirituels. Et ils subissent constamment des attaques spirituelles. Constamment. Lorsqu'on a des parents, des parents qui ont vécu en bordure des fleuves, des eaux, etc. Des ancêtres qui ont vécu à la côte, par exemple à Kribi, à Limbé, à Douala, au bord de Vouri, même à l'ouest, partout où les gens ont vécu, les villages riverains, avec des fleuves, des cours d'eau, très souvent, tous ceux qui proviennent de ces familles-là ont constamment des attaques des esprits des eaux. Parce que très souvent, ces parents ont fait des sacrifices aux esprits des eaux, des sacrifices dans l'eau. Et en grandissant, on a certainement aussi flirté avec ces eaux, peut-être pour nager, pour faire beaucoup de choses. Et très souvent, une fois devenu grand, on est constamment bombardé par les esprits, les attaques venant de ces esprits des eaux. On a des rêves qu'on se trouve dans l'eau. On a des rêves, on voit des caïmans, des crocodiles, des requins, etc. Ça, c'est pour ceux qui ont des parents côtiers, etc. Donc, lorsqu'on a des ancêtres qui ont été impliqués dans le commerce des esclaves, en général, on a une vie très dure. On expérimente la mort précoce à cause des malédictions qui ont été proférées contre ceux qui les avaient capturés et vendus. Donc, pendant que les esclaves étaient amenés dans les bateaux, ils proféraient des malédictions. Donc, maintenant, les générations qui viennent après vivent sous ces malédictions. Et ils expérimentent très souvent la mort précoce. Ça, c'est le résultat de ces recherches. Lorsqu'on a eu des parents et des ancêtres impliqués dans l'occultisme, on a des destinées détournées. On a du mal à localiser son appel, sa destinée, son ministère, etc. C'est pour ça que même les serviteurs de Dieu, issus de ce genre de fondation, très souvent se trouvent à faire dans un couloir qui n'est pas le leur. Ils sont certainement en train de servir Dieu, mais ils ont des destinées détournées, déviées. Et puis, ils ont un labeur sans profit. Parce que quand on travaille dans un couloir qui n'est pas le sien, on ne peut pas s'attendre à des récompenses venant du ciel. Lorsqu'on a des ancêtres qui ont été des voleurs, nous avons eu un cas au Cameroun, vous savez, très bien, on parlait de la famille, je crois, Donatien Coigné. Voilà, on dit que son père, c'était un très grand voleur de chèvres. Il était très célèbre, très intelligent, et il avait des astuces pour voler les chèvres. Il a donné naissance à des enfants qui étaient de grands voleurs. Nous connaissons l'histoire, certainement, de Donatien, qui a même détourné des avions. Qui a frappé, on l'appelle un fémin international, qui a même frappé des chefs d'État. Donc, en cette voleur, la conséquence, quand c'est que très souvent on est des enfants, on a une progéniture aussi qui excelle dans le banditisme de grand chemin, qui connaissent des pertes constantes et des maladies incurables. Ça, c'est pour les ancêtres voleurs. Bon, on a aussi des ancêtres, des parents qui ont été des bâtards eux-mêmes et qui sont des produits de mariage illégitime. Quelles sont les répercussions sur leur progéniture? C'est l'instabilité, c'est des vies sans succès, c'est le non-accomplissement, c'est l'aveuglement spirituel, c'est des gens qui n'accomplissent rien jusqu'à la tombe. Lorsqu'on a eu des parents issus de mariages illégitimes. Voilà les conséquences. Et quand je parle d'aveuglement spirituel, parfois, on est même serviteur de Dieu et tout, mais on ne voit pas dans le règne spirituel. On a comme des yeux fermés. Ça, c'est très souvent le résultat des ancêtres, des fondations, où on a des ancêtres qui ont vécu dans des mariages illégaux, illégitimes. Donc, nous avons également des ancêtres ayant vécu dans la tromperie, dans le mensonge. Donc, des gens qui ont excellé dans la tromperie, dans le mensonge. Et c'est comme cela que a été leur vie.
La conséquence, très souvent, chez les enfants, c'est la difficulté à faire des progrès dans la vie, c'est l'échec au seuil du succès. C'est-à-dire qu'on entame une chose, mais quand on est au seuil de la percée, cela échoue. Parfois, on a eu des ancêtres méchants. Quand on a eu des ancêtres méchants, on a constamment des attaques de sorcellerie. On fait constamment des rêves où on est attaqué par des bœufs, hein, par des chiens, par des chats. Ça, c'est les attaques de sorcellerie. On a eu des ancêtres chasseurs. Effectivement, nous avons eu des ancêtres qui vivaient de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Bon, ce n'était pas une mauvaise chose en ce moment. Mais lorsqu'on a eu de tels ancêtres, les enfants, très souvent, n'attrapent rien dans l'océan de la vie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils pêchent et n'attrapent rien. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir devenir quelqu'un, comme on dit, c'est-à-dire que réussir dans la vie. Lorsqu'on a eu des ancêtres batteurs de tam-tam, et là, dans les sociétés traditionnelles, on avait des gens spécialisés en cela, en cette batteur de tam-tam. Et dans la vie de leur progéniture, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer des enfants qui se battent contre la pauvreté toute leur vie. Toute leur vie, ils se battent contre la pauvreté. Maintenant, voici un fait que j'ai vraiment remarqué ici, même à l'église que je dirige, mais c'est tellement récurrent. Donc, je suis à Bafoussam et à l'église, il y a beaucoup de gens qui sont issus des familles royales, notamment du village Bamungum, du village Balin et du village Bafoussam. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Tous ceux qui sont issus des parents provenant des familles royales sont constamment bombardés par les forces de frustration. Ils sont constamment frustrés. Ils sont constamment affligés par des attaques spirituelles incessantes. J'ai un cas sur lequel je travaille actuellement à l'église. Une jeune fille qui vient d'accepter le Seigneur, qui prie beaucoup, qui tous les minuits, elle est debout. Mais elle dit qu'elle prie. Elle dit, papa, je prie de minuit à 3h, 4h. Et quand je me couche, on vient me nourrir. Quand je me couche, on vient m'attaquer, on me poursuit. Alors que j'ai prié, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en retraçant, donc en faisant les recherches sur ces fondations, je me suis aperçu que, voilà, sa mère vient de la chefferie Bafoussam et son père vient de la chefferie Bamungum. Donc, elle est assise sur deux chefferies. Et vous voyez, il faut donc un travail de fond pour pouvoir la délivrer complètement. Et nous sommes sur ce travail. Et du coup, par la grâce de Dieu, Dieu va le faire. Amen. On a des ancêtres, quand on a eu des ancêtres devins, hein, des ancêtres qui faisaient dans la voyance. Et cela se répercute évidemment sur les enfants par des maladies incurables, par la stagnation. Quand on a eu des ancêtres qui, comment on appelle, des cueilleurs de vin, de palme. Oui, on a eu des parents comme ça, qui allaient tout le temps, qui vivaient de ça, qui cueillaient le vin de palme pour aller vendre. Là, vous allez observer que la plupart des enfants sont tous dans la pauvreté et surtout le retard académique. Le retard académique, ils sont souvent nuls à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le résultat de ces recherches. Lorsqu'on a eu des ancêtres, des parents qui ont fait le commerce de l'alcool, et là, ça m'a fait penser à mon propre père qui a fait le commerce de l'alcool, la cigarette. On est sujet à des attaques constantes des esprits méchants, même dans les rêves. Lorsqu'on a eu des parents qui ont vendu de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup qui ont eu leur foyer détruit à cause de ce commerce. Moi, j'ai grandi et puis déjà même à l'école primaire, je vendais dans le bar de mon père. Donc, le pasteur Ernest en sait quelque chose. Donc, on est constamment sous attaque. Il faut prier pour en sortir. Et parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Maintenant, ces recherches nous permettent de comprendre que ces commerces-là amènent la malédiction sur les générations futures, etc. Lorsqu'on a lorsqu'on a eu des ancêtres qui ont multiplié les femmes, qui ont multiplié les concubines,
Oh, les générations, il faut simplement observer, les générations à venir vivent dans des relations maritales instables, dans des relations très instables, dans les séparations et même les divorces. Et lorsqu'on a eu des ancêtres, des parents qui étaient hostiles aux missionnaires de l'Évangile, qui ont même tué les prédicateurs de l'Évangile, très souvent les enfants vont vivre un blocage général dans leur vie. Il n'y aura pas de progrès de Dieu parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur cette génération. Donc voilà, je pourrais citer comme ça. Je voudrais m'arrêter ici parce qu'il y en a encore. Voilà. Quand on a eu des ancêtres meurtriers, tôt ou tard, on est poursuivi par le sang des innocents qui sont morts. Et on ne comprend pas pourquoi. On est poursuivi constamment, même à travers les rêves, par le sang des innocents qui ont été tués par ses ancêtres. Quand on a eu des ancêtres qui ont consulté les morts, qui ont interrogé les morts, alors que la Bible l'interdit formellement dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, lorsque on regarde dans la progéniture de ces personnes-là, la plupart des gens, ils sont comme eux-mêmes des cadavres, comme des morts vivants. Ça s'observe et ça se voit. Donc, en gros, pour m'arrêter là, parce que je pourrais encore en citer et en citer. Chaque homme est la somme totale de tous ses ancêtres. J'aimerais que toi qui m'écoutes, tu écrives cela. Chaque homme, chaque être humain en général, est la somme totale de tous ses ancêtres. Amen. Amen. Toujours la parole au pasteur, je suis. OK. Donc, en d'autres termes, nous sommes le produit de nos ascendants. Et il n'y a vraiment rien à faire à ce sujet. À moins de naître de nouveau, d'être totalement régénéré par la parole vivante de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, et de passer par une véritable délivrance. Je me suis aperçu au fil des ans, en tant que ministre de Dieu, en tant que travaillant dans la psychothérapie, avec toutes les personnes que je vois chaque jour, chaque semaine, je me suis aperçu que le plus grand besoin des personnes qui sont régénérées, nées de nouveau dans nos églises, c'est d'abord la délivrance. Je crois qu'on a un peu négligé cela dans le corps de Christ. Et lorsque nous avons cru, on a parlé de la délivrance, c'est vrai. On a fait quelques séances de délivrance, mais sans trop de connaissances, sans trop de profondeur. J'ai compris au fil des ans dans le ministère que le plus grand besoin d'un croyant, c'est la transformation. Comme le plus grand besoin d'un païen, c'est le salut. Le plus grand besoin d'un croyant, c'est la transformation. Et cette transformation passe par une délivrance profonde et authentique. Et nos enfants ne devraient jamais se marier sans passer par une délivrance authentique, afin d'être débarrassés des mauvaises fondations. Sinon, leurs fondations vont se marier également. Et je dis encore que si nous ne traitons pas à fond nos fondations, ces fondations vont nous traiter durement. Donc, il est important que nous puissions comprendre vraiment ce thème qui est tellement combattu. Lorsque le Seigneur m'a conduit à comprendre un peu, parce que chaque année, on travaille et on comprend, on saisit un peu, moi, j'ai commencé à écrire. Il m'a mis à cœur d'écrire un livre là-dessus. J'ai écrit le livre il y a près de 15 ans. Je ne l'ai jamais publié. Et pendant que je l'écrivais, je priais, je jeûnais, j'écrivais le livre sur les fondations. Il y a moins 15 ans de cela. Il y a une jeune fille qui était dans mon église à l'époque, une prophétesse qui est venue me dire, « Papa, je priais pour toi.
Et le Seigneur m'a fait voir dans une vision que tu auras du mal à publier ce livre. Il dit que les ténèbres, l'enfer va se lever contre ce livre et tu ne pourras pas le publier. Pour vous dire, à l'époque, j'étais un peu sceptique, j'ai souri. Moi, j'étais fonctionnaire. Je me suis dit, si c'est un problème d'argent, je vais prendre un crédit à la banque et je vais sortir le livre. Et je vous assure, la prophétie de cette sœur s'est accomplie littéralement. Pourquoi? Parce qu'après ce livre, il y a 15 ans de cela que je l'ai écrit, j'ai écrit plus d'une dizaine d'autres livres. Et dont la plupart ont été imprimés, publiés, édités. Mais ce livre n'a jamais été publié jusqu'à cette année. J'ai donc compris qu'effectivement, le diable ne veut pas que les gens accèdent à la connaissance. Parce que cette jeune sœur disait à l'époque que si ce livre sort, il sera une bénédiction pour plusieurs dans le monde entier, pas seulement au Cameroun. Et bon, quand j'avais suivi ça, je me suis dit, ah bon, c'était une prophétie. Je n'y croyais pas vraiment pour dire vrai. C'est aujourd'hui que je comprends. Et à peine j'ai publié j'ai sorti juste quelques copies, ça a été épuisé. Et les gens demandent, et maintenant c'est les gens qui font la publicité de ce livre. Et qui m'appellent, qui me disent, je veux le livre. Voilà, quelqu'un achète, et il revient, dit, je veux une deuxième, troisième copie pour mon frère, pour ma soeur, parce que j'ai commencé à prier, voilà les résultats. Il y a tellement de témoignages. Et cela m'a réconforté dans le fait que nous sommes sur le bon chemin. Et ce thème que le pasteur Ernest vraiment est en train de développer est tellement important. Et c'est pour cela que l'ennemi combat. Parfois, lorsqu'il y a un séminaire comme cela, il n'y a pas affluence parce que dans le règne spirituel, l'ennemi se lève pour combattre, pour que beaucoup n'accèdent pas à cette vérité, pour être totalement libérés. Je voudrais terminer ce soir en nous donnant des étapes pour une délivrance totale. Je veux simplement donner des étapes. La première étape, si tu veux commencer un programme de délivrance des fondations, il faut confesser tes péchés. Là, la délivrance appartient aux enfants de Dieu. Donc, il faut être régénéré, évidemment. Il faut naître de nouveau, être enfant de Dieu authentique. Et ensuite, il faut confesser ses péchés, notamment les péchés des ancêtres, notamment les iniquités des ancêtres. Après avoir fait les recherches dont j'ai parlé plus haut, c'est-à-dire après avoir mené des investigations sérieuses au niveau de la famille, il faut donc identifier les iniquités, les péchés qu'ont commis nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, etc. Donc, lorsqu'on a tous ces péchés, toutes ces iniquités, parfois parmi nos ascendants, il y a eu des meurtres, nous ignorons cela. Il y a eu des meurtres rituels, des sacrifices humains, des sacrifices qui ont impliqué la mort des humains. Donc, il faut pleurer à l'image un peu de Daniel, chapitre 9, ou bien de Néhémie. Voilà, au chapitre, je crois, c'est Néhémie, chapitre 2. Donc, confesser les péchés de ses ancêtres et se repentir en leur nom. Donc, s'identifier à ces péchés. Vous pouvez dire, nous et nos parents, nous avons péché. Nous et nos pères, nous avons péché. S'identifier à ces péchés, demander pardon dans nos propres vies. Là, c'est une étape qui est capitale. Parce que lorsqu'on le fait à fond, vraiment, l'ennemi perd son emprise sur nos vies. Ensuite, renoncer. Ça, c'est la troisième étape, ou la quatrième, si on veut. Renoncer à toutes les activités maléfiques qui ont été perpétrées par ses ancêtres. Il faut renoncer à ces activités de manière verbale. Il faut verbaliser cela et dire, je renonce à telle activité, je renonce à telle chose. Et cela ne me concerne plus. Et c'est dès que après cela qu'on peut maintenant commencer à détruire les mauvaises fondations. De manière systématique, on commence à les détruire, à les détruire. Et il y a des programmes de prière. Et le pasteur Ernest a même ses points de prière, a toutes ses prières. Donc, ça dit qu'on commence à détruire systématiquement toute mauvaise fondation qui a été mise en place sur lesquelles nous sommes nés. Après la destruction des mauvaises fondations, il faut bâtir une nouvelle fondation. Ça, c'est
impératif, c'est important. Il faut bâtir une nouvelle fondation, ensuite construire sa vie à nouveau avec le Seigneur Jésus. Donc, développer une communion, une intimité profonde avec le Seigneur. Amen. 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 Donc, jusque-là, avant de continuer, je voudrais donner la possibilité aux gens de réagir, peut-être de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions? Là, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que le message est très clair. L'explication est très claire. Alors, pasteur Josué, je vais te laisser la parole pour continuer. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais que, si vous le permettez, on va lire un autre passage dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise un passage dans 1 Roi chapitre 12, verset 26 à 30. 1 Roi 12, 26 à 30. Quelqu'un peut encore nous aider à lire? Verset 26 à 30. Jéroboam dit en son cœur : le royaume pourrait bien maintenant résister à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire les sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Jéroboam, roi de Juda, et ils le tueront et retourneront à Jéroboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple : assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici un Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa les sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voici un texte qui peut nous donner beaucoup d'informations sur les fondations, afin que nous comprenions un peu comment fonctionnent les fondations négatives. Là, nous sommes dans le royaume d'Israël, sous le règne de Jéroboam. Jéroboam va bâtir Sichem et y habiter. Et il va se dire, voilà, le royaume qu'il a pu récupérer après la scission. Nous savons qu'après la mort de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Il y a été Israël du Nord qui est parti avec 10 tribus sous le règne, sous la conduite de Jéroboam, qui s'est révolté, qui a amené 10 tribus au Nord. Et Israël du Nord, donc, avait pour capitale la Samarie. Maintenant, il est resté une tribu au Sud, Juda, et avec Jérusalem, avec Benjamin, avec la tribu de Benjamin, qui est restée fidèle. Il n'y a que les deux tribus qu'on appelle les Juifs, Juda. Là, ça, c'est la tribu du Sud. Donc,
Maintenant, Jéroboam se dit, ce peuple sacrifié sur le véritable autel qui était à Jérusalem. Et voilà, j'ai réussi à mener 10 tribus au nord. Maintenant, de peur que ce peuple ne retourne sacrifier sur l'autel véritable qui se trouve à Jérusalem, je vais fabriquer un autel ici. Et c'est ce qu'il a fait. Et là donc, la Bible nous dit, après avoir pris conseil, il a fait 2 veaux d'or. Il a dit au peuple, voici vos dieux, voici tes dieux, voilà ton dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Il plaça un des veaux d'or à Bethel, un autre à Dan. La Bible nous dit au verset 30, et ce fut là une occasion de péché. Donc il a mené, entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. À cause d'un autel, un autel qu'il avait bâti. Et cet autel donc va contrôler la vie spirituelle de ce peuple. Le peuple va se détourner du véritable Dieu pour aller sacrifier sur un autel qui était un autel idolâtre, un autel démoniaque. Il va même aller plus loin, il va chercher des sacrificateurs parmi tout le peuple. Alors que nous savons, selon la loi, que les sacrificateurs doivent provenir de la tribu de Lévi et de la maison d'Aaron. Il est passé outre tout cela, il a cherché des sacrificateurs par-ci par-là, et puis il les a établis comme prêtres sur cet autel satanique. Maintenant, la conséquence, c'est quand nous lisons le livre des Chroniques. Waouh, j'ai été tellement impressionné. Dans le livre des Chroniques, la plupart des rois qui ont régné dans Israël, qui ont régné sur Israël du Nord, étaient de très mauvais rois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été contrôlés par cet autel. Ils ont été contrôlés par... Cet autel a tellement énervé Dieu, tellement mis le Seigneur en colère, que dans le chapitre suivant, dans 1 Roi 13, versets 1 à 2, le Seigneur envoie un jeune prophète pour aller parler contre cet autel. Et on peut le lire dans 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire? Voici un homme de Dieu monta de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour prier des pardons. Il pria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici il n'est pas un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres, tes hauts lieux, sur toi les parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait prié contre l'autel de l'Éternel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il n'est plus la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, écoute pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main. Il fut comme auparavant. Amen. Merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Mais en faisant une exégèse de ce passage, tout à l'heure, j'ai donné un peu les différentes étapes pour pouvoir traiter une fondation. Lorsqu'on fait l'exégèse de ce passage, on se rend compte que voici un autel qui a été bâti par Jéroboam
Et puis voilà, Dieu voulait en finir avec cet autel. Il a envoyé un jeune prophète. Nous connaissons la suite parce que ce jeune prophète a été même séduit par un vieux prophète et il a même perdu sa vie. Donc, Jéroboam a réussi, disons que, à détourner le peuple de l'adoration du vrai Dieu en bâtissant un autel idolâtre. Cet autel a été jugé, mais il n'a pas été détruit complètement. Il n'a pas été éradiqué. Quand nous étudions clairement le passage, on voit qu'effectivement, on est retourné quand même à la source du problème. Et ça, c'est ce que je demande que nous puissions faire. Moi, j'étais amené à aller dans mon village, dans la maison de mon père, plusieurs fois pour prier, pour dire, je reviens à la source. Et je viens déclarer ici que les esprits qui ont malmené ma vie pendant des années, vous n'avez plus d'emprise sur moi, sur mon ministère, etc. Si je ne faisais pas ce travail, je ne devais jamais devenir pasteur. Parce que l'oppression était telle que si j'entrais dans le ministère sans faire un travail de fondation, je ne serais même plus vivant. Étant même fils aîné, et vous savez, la particularité des fils aînés, on aura le temps à une autre occasion d'en parler. Parce que c'est les personnes les plus ciblées dans le règne spirituel. Même dans la Bible, on le voit. Donc, le retour à la source du problème, c'est important. Deuxièmement, la déclaration prophétique. Il l'a fait. Et puis voilà, on a vu les résultats. L'autel s'est fendu. Mais il n'y a pas eu d'action prophétique pour annuler et éradiquer totalement cet autel et son influence sur le peuple. Maintenant, en conséquence, regardez, vous allez lire cela dans le livre des rois, vous allez lire dans le livre des chroniques. Il y a eu plus de 300 ans, plus de 3 siècles d'attente et de souffrance d'un peuple toujours enclin à l'idolâtrie. Il y a eu la chute de 19 rois, nous avons compté, il y a eu la chute de 19 rois à cause de cet autel. 19 rois qui ont régné sur Israël et qui n'ont pas pu s'en sortir à cause de cet autel maléfique. Ces rois ont marché tous dans les voies de Jéroboam, à l'exception de quelques-uns. Ils ont marché dans les voies de Jéroboam en raison des fondations qu'il avait posées et qui n'avaient pas été détruites. Là, je suis en train de montrer le fait, les conséquences de ne pas prendre un temps pour travailler et détruire les mauvaises fondations. Elles vont seulement, voilà, nous influencer et même influencer les générations à venir. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 roi 15, verset 34? Un roi 15, verset 34. Un roi 15, verset 34. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Merci beaucoup. Un roi 16, verset 2. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché, voici verset 19. Après le verset 2, verset 19. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Verset 29. Acab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Acab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30. Acab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. 31. Et comme si tu étais pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens,
et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Merci beaucoup. 1 Roi 22, verset 52. 1 Roi 22, verset 52. Envoi 2, verset 52. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 17e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Verset 53. Il vit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Revenons à 2 Rois 10. Allons à 2 Rois 10, pardon. 2 Rois 10. Verset 31. 2 Rois 10, verset 31. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Amen. Amen. Même Jéhu, un homme oint, n'a pas échappé à cet hôtel. Vous dites que l'hôtel ne respecte pas l'onction. Même le grand Jéhu, nous connaissons l'histoire de Jéhu. Ces rois ont marché tout dans les voies de Jéroboam. Regardez la référence qui est faite à ces rois à la fin de leur règne, ou au début, ou à la fin. Qu'est-ce qu'on dit? Ils ont marché dans les voies de Jéhoram. Là, ça, et ça, c'est les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils de Jéhoram. Donc, 3 siècles, pendant une période de 3 siècles, un hôtel contrôle toute une nation. Un hôtel. Et fait tomber au moins 19 rois. Nous avons compté 19 rois. Et j'ai pris là juste quelques morceaux choisis pour montrer que la fondation que nous posons n'influence pas que nous, ne concerne pas que nous. Les actes que nous posons maintenant, même en tant que parents, en tant que père, en tant que mère, ne vont pas simplement influer sur notre destinée personnelle. Ces actes vont influer sur la destinée de nos progénitures. Là, il faut se le dire et se le répéter. Donc, voilà. Un individu qui bâtit un hôtel idolâtre, cet hôtel va contrôler 10 tribus d'Israël pendant 3 siècles. Ils ont tous suivi la voie de Jéhoram jusqu'à ce qu'Israël aille en captivité. Jusqu'à ce qu'après cela, ayant atteint le comble de leur péché, Dieu les a livrés en captivité, babyloniens, etc. Donc, et comme nous l'avons vu, beaucoup d'hommes, même ouais, n'ont pas échappé. Pendant ce temps, Dieu suscitait quand même des prophètes pour les avertir, etc. Mais ils ne revenaient pas à Dieu. Ils avaient toujours une tendance à aller vers Baal, aller vers Estaté. Et lorsque nous lisons, parfois nous sommes nous-mêmes étonnés que comment est-ce que des gens peuvent être aussi endurcis en expérimentant la puissance, les miracles, la gloire d'un Dieu réel, vivant. Dans l'ancienne alliance, Dieu était tellement réel, faisait des choses. Nous avons vu Salomon qui peut parler face à face avec Dieu. Salomon qui peut recevoir des révélations incroyables. Salomon qui va être béni sur le plan matériel. Il va avoir la gloire comme pas un autre roi. Mais nous savons comment Salomon s'est achevé. L'homme qui a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, a achevé sa vie en adorant les dieux de ses femmes. Et là, c'était encore, voilà les fondations, les mauvaises fondations. C'est vrai que là, c'était quand Israël n'était pas encore divisé. Mais je prends cet exemple pour montrer que lorsqu'on n'a pas véritablement fait un travail de fond, tôt ou tard, les fondations peuvent nous rattraper, je vous assure. Donc, la conclusion de ça, c'est que le type de fondation établie dans une nation, dans une tribu,
Tant que des gens ne se lèvent pas pour les renverser, pour les détruire, ces fondations vont continuer à faire leur travail de manière même silencieuse, pernicieuse, influencer les vies, influencer les nations. Le Cameroun a une fondation, l'Afrique a une fondation, l'Europe a une fondation, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, etc. Parfois, quand on se trouve dans ces territoires, il faut prier déjà non seulement pour ses propres fondations familiales, individuelles, mais prier pour se déconnecter des fondations de la nation où on se trouve. Ça, c'est très important d'avoir cette compréhension profonde des fondations. On nous dit que le Cameroun vient de Rio dos Camarões. Nous avons étudié cela à l'école. Et Camarões, nous avons prié dans le corps de Christ. Nous prions pour que le Cameroun ne soit plus des crevettes dans la bouche des Occidentaux. Parce que quel est le but des crevettes? C'est d'être mangé. Alors, quand on dit Cameroun, on a tendance à dire crevettes. Et quand on dit crevettes, donc venez manger. Et vous voyez le pillage, l'exploitation, un pays extrêmement riche, mais en même temps paradoxalement misérable, pauvre, où les gens croupissent dans, n'est-ce pas, la misère la plus noire. Donc, ces choses-là, il faut le faire, et même l'étendre au niveau des nations, etc., au niveau des familles, des tribus, nous devons travailler. Moi, j'ai fait des enquêtes au niveau du village Bagam, et j'ai appris que, voilà, il y a un chef qui avait maudit le village en disant qu'il n'y aura plus jamais un ministre dans ce village. Jusqu'à ce jour, on n'a plus jamais eu même un secrétaire d'État. Une haute personnalité comme cela n'a jamais été ministre. Les ministres sont à côté, le ministre qui est juste à côté, Nganou Dumessi, mais dans le village Bagam même, on n'a plus de haut responsable, de ministre. Pourquoi? Parce qu'il était très fâché. Dans le temps, il y a eu un ministre qu'on appelait Tétan Josué, voilà, qui a refusé de se soumettre peut-être à leur rituel, à leurs exigences. On dit qu'il envoyait simplement les choses au village. Quand on l'appelait, lui-même ne venait pas. Ils se sont fâchés. Peut-être qu'il a pressenti qu'on voulait, je ne sais pas trop. Ça, c'est mes enquêtes qui m'ont permis de comprendre cela. Et en tant que fils et filles de ce village, nous devons nous lever pour dire que cette malédiction doit être brisée. Et ça, je pousse les gens à faire ce genre de travail. Pas simplement à se concentrer sur nous-mêmes, sur nos familles, etc. Nous devons aller plus loin. Donc, voilà ce que je voulais dire pour nous encourager véritablement à faire ce travail de manière sérieuse. Parfois, dans un jeûne, dans un programme personnel, en famille, on peut travailler. Et nous avons les points de prière. Le livre que j'ai écrit a au moins 180 points de prière pour tacler tous les domaines. Même les premiers fils, les fils aînés, etc. Les mariages à problème. Et voilà, je suis en train d'expérimenter beaucoup de choses. Donc, je voudrais m'arrêter là et donner encore la possibilité pour qu'on pose des questions. Amen. Acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, mais cela ne doit pas nous faire oublier que lorsqu'on écoute, il y a une responsabilité qui s'en suit. Amen. Nous voulons dire merci au pasteur Josué. C'est extrêmement important d'apprendre ces choses. Vous voyez que la vie chrétienne n'est pas une vie de course, n'est pas une vie des gens qui veulent seulement le plaisir, un peu de choses, un peu ici, un peu là-bas. C'est une vie sérieuse, c'est une vie d'endurance, c'est une vie de persévérance. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et moi, avant que vous posiez des questions, s'il y en a ici ou en ligne, je voudrais encore dire que la prière est efficace. La prière est efficace. Amen. La prière qui transforme, c'est une prière qui est faite avec des informations précises. La prière ne se fait pas dans l'ignorance. La prière qui est faite dans la connaissance, c'est celle qui libère.
tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre de vivre la parole. Il y a une question? Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a une question dans, en ligne. On va lui laisser la parole. Qui a la parole? Bonjour, pasteur Josué. Bonjour, bonjour, ma sœur. Merci. J'ai une question. J'aimerais savoir, parce que parlant de ces fondements, de ces fondations, c'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, on nous l'a souvent enseigné et nous l'avons souvent fait. Mais dans ma vie, je constate que, par exemple, ces différentes prières, c'est-à-dire voir comment on est dans la case familiale, on est dans le camp en train de voyager, on dit au revoir à la famille, on tourne, on part. Après, tu te retrouves que tu es arrivé toujours au point de départ, que tu es arrivé là où tu prenais le camp. Donc, cet esprit de rôder sur place et tout là, on prie, ça s'améliore. Et puis, on se dit que bon, ça va, c'est bon, le Seigneur a exaucé. Et puis, tu regardes même dans ta vie, ça va un peu. Mais après, les mêmes rêves reviennent. Est-ce à dire que le problème n'avait pas été résolu? Est-ce à dire que c'est une prière qui doit être faite de façon permanente, de façon constante? Je ne comprends pas comment ça doit se faire. Parce que, est-ce que c'est une délivrance qui a été faite à moitié, qui n'a pas été bien faite? J'aimerais, c'est ça ma question. Merci. Oui, merci beaucoup, ma sœur. Là, c'est une question qu'on me pose souvent. Très souvent cette question. Est-ce qu'on me suit là? Ok. Donc, effectivement, on peut faire des délivrances incomplètes, partielles. Il faut s'assurer que véritablement, voyez, le monde des ténèbres est têtu, il est obstiné. Et puis le Seigneur permet parfois ces choses pour nous entraîner. La Bible dit dans le Psaume 144, que voilà, il exerce tout droit à la bataille et nos mains au combat. Il va exercer nos mains au combat comment? Quand il permet ces choses, le Seigneur peut même balayer d'un revers la main toutes les fondations. Mais nous n'aurons même plus à travailler, on ne va même plus prier. Le Seigneur est très sage. Dans sa sagesse, il ne veut pas forcément que l'ennemi nous oppresse, nous détruise, mais il écoutez, dans le livre, je crois, c'est de Josué, je ne sais pas, c'est Josué chapitre, c'est chapitre 3, je ne me rappelle plus. La Bible nous dit que après la mort de Josué, fils de Noun, le successeur de Moïse, voilà, il y a une génération qui est apparue et qui ne connaissait pas les guerres de l'Éternel. Et donc, le Seigneur a laissé certaines tribus, parce que Josué ne les avait pas toutes éradiquées, au moment où il fallait occuper la terre promise, il a laissé certaines tribus, voilà, parce qu'il y avait les Jébusiens, les Gadgassiens, etc., les Phérésiens, il a laissé certaines de ces tribus pour entraîner la jeune génération à faire la guerre. Parce qu'eux, ils n'avaient pas fait les guerres de Josué et de la génération de Josué. Donc, il fallait laisser des gens, des personnes. Ces personnes sont des types d'esprits que nous affrontons aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les démons, les esprits, les principautés. Donc, parfois, Dieu permet que nos fondations ne soient pas tout de suite éradiquées en un revers la main. Il utilise en même temps cela pour exercer nos droits à la bataille, nos mains au combat. Et ce faisant, nos muscles spirituels se développent. Maintenant, il faut le faire pas de manière paresseuse, parce que voilà, beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer véritablement le prix. Et quand le Seigneur permet, c'est pour que tu pries véritablement. Peut-être que tu l'as fait, et puis c'est un peu efficace, mais les démons qui reviennent. Donc, il y a les délivrants incomplets. Quand tu fais un travail de fond, il faut payer, puisque la Bible nous dit clairement que lorsqu'un esprit est chassé, il va, il rôde là, il s'ennuie, il dit que vraiment, comment on m'exclut de ma maison? Il revient pour voir si la maison est vide ou occupée. Et quand il vient, il essaye. En venant, il revient avec 7 autres plus méchants que lui. Et si on est peut-être distrait, on est un peu paresseux, léger là, il vient nous assaillir. Les chrétiens, ce que les chrétiens font, ils ne font pas vraiment. Nous avons la qu'on les aime, les méchants.
Il y a au moins quatre catégories-là, c'est-à-dire les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, etc., etc. Donc, on est constamment sur le qui. Nous sommes en guerre. Donc, un chrétien qui n'a pas été enseigné à savoir que la vie chrétienne, déjà, c'est une guerre permanente, peut penser que, bon, voilà, on peut prier et puis aller dormir et on ne prie plus parce que tout va bien. Ce n'est pas comme ça. Il faut maintenir sa délivrance par la louange, par l'adoration, par une vie de prière constante. L'autre jour, j'enseignais à l'église que vraiment, il ne faut pas simplement limiter la dîme à l'argent. Parce que quand on parle de la dîme, les gens pensent simplement à l'argent. Nous devons donner la dîme du temps, de 24 heures à Dieu, chaque jour. Un chrétien moyen, normal, doit rester dans la présence de Dieu au moins 2 heures et demie. Ça, c'est la dîme de 24 heures. Dans la louange, l'adoration, pour que nos vies soient toujours en feu. Quand une mamie est toujours en feu, aucune mouche ne peut se poser là-dessus. Donc, c'est un peu... Bon, moi, je ne suis pas en train de dire que voilà, ce n'est pas... C'est ainsi qu'est ta vie, non. Je parle de manière générale pour nous tous, pour nous encourager. Mais je dois dire que quand tu subis encore des attaques, il faut simplement se lever et vraiment donner à Satan sa place. Parce qu'il a été déjà vaincu, c'est un ennemi vaincu. En réalité, en un claquement de doigts, le diable peut disparaître à jamais de nos vies. Mais le Seigneur laisse pour nous entraîner. Il nous a donné son autorité, il nous a donné son sang, sa parole. Donc, le diable est petit, il est sous nos pieds. La place du diable même, c'est sous nos pieds. Et nous, on est assis dans les lieux célestes. Donc, quand nous faisons la guerre, on ne va pas en guerre pour gagner. On a déjà gagné. Nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire. Et ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit-là. Puisqu'il y a des gens qui ont même peur des démons, peur de ceci, peur. Nous parlons de fondation, mais nous savons que nous avons tout ce qu'il faut pour les éradiquer et bâtir une nouvelle fondation. Amen. Je ne sais pas s'il a répondu. Oui, je suis satisfaite, pasteur. Merci beaucoup. Et la sœur Marceline, elle est où? Je suis au Canada, pasteur. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Merci, pasteur, pour votre enseignement. Tantôt, quand vous parliez des rêves, moi-même, j'ai fait un rêve bizarre que je n'ai pas compris. Je sais que l'enseignement, ce n'est pas vraiment centré sur l'explication des rêves, mais c'est que dernièrement, j'ai vu que quelqu'un m'avait pointé une arme et là, il m'a dit de donner tout ce que j'ai et là, je lui ai donné une grosse pierre précieuse que j'avais dans ma main. Et depuis ce jour, je me sens bizarre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais comme vous parliez des rêves, et là, je me dis que peut-être que je vais vous poser la question. Merci. Amen. La sœur Fabiola, elle est où? Oui, pasteur, tu peux résumer un peu l'occupation de la sœur? Oui, elle dit que depuis quelques jours, elle a fait un rêve. Dans ce rêve, il y a quelqu'un qui a pointé une arme sur elle et lui a demandé de donner. En fait, elle a remis une pierre précieuse qu'elle avait entre ses mains. Et depuis ce jour-là, sa vie est bizarre. La sœur Fabiola, est-ce que c'est bien résumé avec la préoccupation? Ton micro est fermé. Allô? Bien.
Oui, allô. Allô, quand on va répondre, je pense qu'elle est à l'écoute. Ton micro est fermé. D'accord. D'accord. Merci parce que ça, c'est important parce que le rêve, effectivement, le domaine du rêve est une grande source d'information pour pouvoir travailler même sur notre vie spirituelle, sur nos fondations, etc. Un rêve dans lequel on te pointe un pistolet et puis on t'arrache une pierre précieuse, vraiment l'interprétation est simple, elle est claire. Ça, c'est une attaque de pauvreté. Ça, c'est un truc spirituel. Et là, il faut se lever. Quand c'est comme cela, on se lève directement dans la prière et on contre-attaque, on annule. On annule immédiatement. Dès qu'on se lève, on l'annule par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et on récupère de force, on récupère ce bijou ou bien ce trésor, cette pierre prépée. On la récupère par des points de prière. Donc, il faut se lever très souvent. Quand on fait ce type de rêve, la journée qui suit doit se passer dans le jeûne. Où on déclare, parce que je vous ai dit encore, on est dans la guerre, on est dans le combat. La vie chrétienne n'est pas une vie de rose. Il faut prier. Tu te lèves. Tout ce que l'ennemi m'a volé là, je récupère. Je commande la restitution au nom puissant de Jésus. Et j'annule ce rêve par la puissance qui est dans le sang de Jésus. J'annule ce rêve, il ne s'accomplira point. Tout rêve que j'ai fait, même les rêves cachés, les rêves dont je ne me souviens pas, je les annule par la puissance. Tous les jours, il faut se lever et faire ses prières pour annuler toute programmation de l'ennemi dans nos vies à travers les rêves. Parce qu'ils sont experts. C'est tout ce que nous vivons en fait dans la journée, très souvent a été programmé dans la nuit. C'est ce que dit Matthieu chapitre 13, verset 25. Pendant que nous dormions, l'ennemi est venu semer. Et lorsqu'il le sème, on va récolter. Si on y prend garde. Donc, se lever systématiquement et juger cela. La vie spirituelle, c'est pour les violents. Matthieu 11, verset 12. L'homme des cieux est forcé. Ce sont les violents qui entrent au ciel. Parce que l'ennemi de nos âmes ne supporte pas que nous l'ayons trahi en quittant son royaume, pour entrer dans le royaume du Fils de Dieu, le royaume de l'amour, le royaume de la lumière, le royaume de la vie éternelle. Il ne supporte pas. Donc, il va nous persécuter. Ne serait-ce que par rapport aux choses du monde, par rapport aux bénédictions matérielles. S'il ne peut pas voler notre vie, la vie éternelle. Donc, nous devons être sur notre garde et être des hommes et des femmes de prière. Merci beaucoup. Il faut prier pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé. En te basant même sur Proverbe chapitre 6, le verset 31, que si quelqu'un attrape son voleur, ce voleur doit restituer au septuple. Tu cites ça à l'ennemi. Tu dis, Satan, ce que tu m'as volé dans le rêve, je te commande de le restituer en mettant même des intérêts au septuple. Et lorsque tu parles comme ça, l'ennemi sait que tu connais tes droits. Amen. Amen. Merci beaucoup. La sœur Fabiola, est-ce que tu nous écoutes? Oui, tu l'as dit Amen. Tu l'as dit Amen. Oui. Oui, est-ce que la sœur Fabiola, est-ce que tu es dans quelle ville? Je suis au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, maman, merci, il y a une question. Cet enseignement. Je voudrais savoir par rapport aux fondations pour les réfugiés. Si on peut avoir quelques exemples, parce qu'on a vu un peu ce qu'on a vu et qui a été détaillé, c'est par rapport aux fondations qui ont été concernées par nos ancêtres, nos grands-parents. Maintenant, je ne sais pas si on peut avoir
quelques exemples de fondations auto-impliquées. Nous-mêmes, on a fait des alliances de façon consciente ou inconsciente. C'est ma question. Oui, merci beaucoup pour cette question. Autant de nos parents, voilà, ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il y a des fondations que nous avons. Autant de nos parents n'avaient pas tous les outils qui sont en notre possession aujourd'hui. Voici, nous avons la possibilité de faire un séminaire à des milliers de kilomètres. Je peux vous voir, vous pouvez me voir et m'entendre. Du temps de nos parents, il n'y avait pas tout cela. C'est un outil formidable. Je prends simplement cet outil qu'est le smartphone avec Internet, etc. Mais on peut en faire un abus. On peut mal l'utiliser aussi. On peut aller dans le téléphone, voir des choses qu'il ne faut pas regarder. On peut faire des expériences avec le téléphone vraiment qui n'honorent pas Dieu. Pourtant, c'est un outil qui est important même pour véhiculer l'évangile, pour faire un séminaire comme celui-ci sans bouger du Cameroun. Donc, voilà les bénéfices. Mais en même temps, le contre-coup, c'est qu'on peut devenir addict. Il y a des chrétiens qui sont devenus addicts et qui donc ont perdu totalement leur vie de prière. Ils ne prient pas. Donc, sur 24 heures, ils peuvent passer 10 heures sur le téléphone et moins de 15 minutes dans la prière. Alors, quand on fait cela, on est en train de poser une fondation pour notre progéniture. Je ne prends que cet exemple-là. Nous aurons forcément des enfants qui seront addicts au TIC. Et ça vient d'où? Ça vient de nous. Nos parents ne connaissaient pas ça. Donc, nous avons posé une nouvelle fondation. Ça peut aussi être d'autres actes qui sont totalement étrangers à la vie de nos parents et qui donc commencent avec nous, comme ces actes d'idolâtrie, etc., de criminalité, ont commencé avec certains de nos ascendants, nos ancêtres, et qui nous suivent. Nous aussi, on peut être le commencement de nouvelles fondations méchantes, mauvaises, de par nos comportements, nos conduites peut-être répréhensibles dans un domaine, dans l'autre, dans notre vie. J'ai pris simplement un exemple parmi tant d'autres. Il peut se trouver que dans notre lignée, les gens vivent normalement sur le plan conjugal. Les gens ne connaissent pas le divorce. Dans nos familles, il n'y a peut-être pas de séparation, de divorce. Mais nous sommes les premiers à commencer. Peut-être à cause de nos tempéraments, peut-être des incompatibilités. Voilà, on divorce, on se sépare. Et puis là, on pose une fondation qui va suivre forcément nos enfants. Il n'est pas étonnant que voilà, nos enfants plus tard commencent à se comporter de la même façon. Donc voilà des fondations auto-infligées qui peuvent nous affecter notre progéniture. Amen. Je peux ajouter quelque chose sur cette question. Aussi, les fondations auto-infligées sont souvent, très souvent, l'émanation de nos paroles, de l'émanation de nos confessions. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de veiller sur notre langue, particulièrement parce que de même que Dieu a créé la chose et toute chose par la langue, de même aussi nous pouvons créer des fondations à partir de nos langues. Sur nos déclarations peuvent asseoir des systèmes, asseoir des systèmes qui vont être plus ou moins pérennes, c'est-à-dire qui vont durer dans le temps. C'est par exemple, vous pouvez vous imaginer les enfants qui sont nés dans un environnement où ils n'ont jamais eu d'appréciation. Dans un environnement où ils ont toujours été martyrisés. Nous avons toujours été en quelque sorte rabaissés. Cet environnement-là ne va pas permettre à l'enfant d'évoluer. Et plus tard, il peut produire la même chose. Donc, la bouche est une porte particulièrement, efficace dans les mêmes niveaux pour produire des fondements négatifs. Je ne sais pas si c'est un peu ça. Des choses auto-expliquées. Et aussi, les paroles que nous prononçons nous-mêmes sur nous-mêmes. Donc, lorsque nous disons des choses sur nous-mêmes,
ça produit des effets. Et si ça devient répétitif, constamment. Donc, par exemple, je suis bon à rien. Si tu continues à répéter des paroles comme ça, c'est des fondements que tu as de poser. Donc, voilà, je vais ajouter ça. Est-ce que je vais, tu as la parole? OK. En fait, j'avais déjà répondu à la question de la sœur, tu l'as complétée. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne ou bien dans la salle? Non? Il n'y a plus de questions? Maman Pasteur a une question. Oui. Pasteur, je veux. Oui, oui, je vous entends bien. Ok, garde juste ta question. Et après la question de maman Pasteur, tu poseras ta question. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Josie, pour un enseignement très, très intéressant qui ouvre vraiment les yeux. J'avais plutôt un constat que je voulais savoir si c'est confirmé ou pas. Vous avez vraiment dit que certains pays souffrent de pauvreté, surtout ceux qui sont dans l'idolâtrie. Et on a souvent tendance à croire que les pays du tiers-monde sont, on veut dire, maudits. Quand on regarde rapidement comme ça, et que les pays occidentaux, on peut croire qu'ils ne souffrent pas beaucoup de tous les maux qu'on a cités aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste qu'on n'est pas en temps de fondeur? C'est juste un constat rapide. On a tendance à croire que tous les mots que vous avez cités, vraiment, ce sont des mots qu'on peut vraiment identifier. Chacun de ces mots, dans la vie de ceux qui viennent, soit de l'Afrique, ou on va dire des pays noirs. Est-ce que c'est un peu confirmé? Merci. Merci beaucoup. Merci. Même la Bible le confirme. La Bible le confirme parce que tous les qui versent dans l'idolâtrie souffrent de la pauvreté. Et maintenant, les pays occidentaux, est-ce qu'ils ne vivent pas également ces mots, peut-être la pauvreté, etc.? Mais je dois dire que si je prends l'exemple des États-Unis, qu'on peut considérer comme la première puissance, souvenons-nous que les États-Unis ont été fondés par les protestants. Donc, l'hôtel, c'est-à-dire qu'un pays commence par un hôtel. Tout commence sur l'hôtel. Et l'hôtel, c'est la partie essentielle de la fondation. Donc, lorsque un hôtel est bâti par des protestants qui viennent et qui ont la Bible en main. Et à partir de ce moment, tous les présidents qui se succèdent prêtent serment sur la Bible. Donc, il y a une reconnaissance solennelle de Dieu dans la nation. Forcément, cette nation va s'attirer les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que plus tard, Abraham Lincoln va instituer le Thanksgiving Day pour remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il a déversées. Donc, vous voyez, des pays qui ont pour fondement la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Même si après ces mêmes pays vont verser dans l'occultisme, etc., vont d'abord connaître véritablement une bénédiction. Aujourd'hui, on observe le déclin des États-Unis, c'est clair, parce qu'elle est en train de se détourner vers ses dieux. On expulse Dieu des écoles, des institutions, du Sénat. Il y a un combat, l'homosexualité s'installe, etc. Forcément, il y aura un déclin et cet empire va chuter, comme tous les empires dans l'histoire. Maintenant, si tu reviens dans les pays pauvres, les pays d'Afrique, là, si tu lis, par exemple, Ésaïe chapitre 19, le titre c'est « Menace sur l'Égypte ». Le verset 1 dit « Voici l'Éternel monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte frémissent devant lui.
Et le cœur des Égyptiens défaille en eux. Nous savons que dans la Bible, l'Égypte là, c'est l'Afrique. Quand on lit Égypte dans l'Ancien Testament, il s'agit de l'Afrique. Ce n'est pas la République arabe unie d'Égypte aujourd'hui occupée par les Arabes. Au temps biblique, l'Égypte était noire, les pharaons étaient des noirs, comme toi et moi. Et donc, quand le Seigneur parle du sort de l'Égypte, en prophétisant ce qui arrivera à l'Égypte, il met en avant l'idolâtrie. Et à cause de cette idolâtrie, nous avons été plongés longtemps dans toutes sortes de servitudes. Des gens ont marché sur nous. L'Égypte, l'ancienne Égypte, l'Afrique est le berceau de l'humanité, peut-être les gens l'ignorent. La civilisation, la première vient d'Égypte. Les pyramides d'Égypte montrent que nous avons la connaissance avant même l'Occident. Bon, maintenant, à cause de cette idolâtrie criarde-là, le Seigneur dit que voilà, les idoles d'Égypte prémissent à son arrivée. Et si tu lis, continue à lire, il dit « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. On se battra chacun contre son frère, etc. » Le courant de l'Égypte disparaîtra. J'en entrai, on consulta les faux dieux et les augures, les nécromanciens et les devins. Ça, c'est les sociétés traditionnelles africaines. Aujourd'hui, il y a même un regain encore de ces choses-là. Les intellectuels africains sont en train d'exacerber l'idolâtrie, que nous devons retourner à nos sources. On a embrassé la religion des Blancs et tout. Il y a tous ces discours que nous entendons maintenant. Mais les chrétiens tiennent ferme et prient pour dire que jamais plus on va revenir à l'idolâtrie. Je vous assure, il y a une association qu'on appelle Avatra, l'association pour la valorisation des traditions. Et ça, c'est créé à l'université de Chang. Pas des intellectuels, des éminents intellectuels, mais qui n'ont rien compris. Rien du tout. Ils versent dans l'obscurantisme. Ils appellent encore la malédiction sur nos terres. Nous avons ouvert la Bible, nous avons lu. Et le temps de l'Afrique est arrivé, moi j'en suis certain. Et donc, on va sortir de cette pauvreté. Parce qu'on ne peut pas avoir le continent le plus riche de la terre et être en même temps dans cette pauvreté, cette misère où les autres viennent simplement nous piller. Tata Honorine, je te conseille de lire tout le chapitre 19. Tu vas voir ce que Dieu dit de l'Égypte. L'Égypte, c'est-à-dire de l'Afrique. Tu vas te rendre compte qu'un temps vient où le Seigneur dit, quand tu vois notamment au verset 19, il dit, en ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, dont les gens ont même pensé que peut-être c'est le Cameroun. Au centre de l'Égypte, il y aura un autel à l'Éternel. Parce que les Égyptiens vont se retourner. La Bible dit dans ce verset, ce sera pour l'Éternel des armées, un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, c'est-à-dire les Occidentaux, et il leur enverra un sauveur, prendra leur parti. L'Éternel sera connu des Égyptiens, c'est-à-dire de toi et moi, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Tu vois, et c'est ça qui va commencer à mener l'émergence de l'Égypte, la richesse. Et de plus en plus, vraiment, le Seigneur révèle cela, que nous devons beaucoup prier pour notre continent, pour nos pays, pour sortir de cette idolâtrie et connaître aussi une certaine, un épanouissement. Donc, je crois que les deux sont liés. Quand tu lis la Bible clairement, tu te rends compte que Dieu se tourne sa face contre tout peuple idolâtre. Le peuple d'Israël a eu les problèmes avec Dieu. C'est le plus grand péché dans l'ancienne alliance. Il n'y en a pas deux. Le péché pour lequel Dieu est tellement fâché, c'est l'ennemi public numéro un. Dans l'ancienne alliance, c'est l'idolâtrie, c'est le faux Dieu. Le fait d'abandonner le vrai Dieu et de se tourner vers les Baals, les Astarté, ça a été le problème numéro un du peuple de Dieu. Qui est en train toujours de tomber, de retomber, de retomber. Et qui suscitait la jalousie de Dieu. Aujourd'hui, ça ne peut pas changer, ça n'a pas changé. Quand on abandonne Dieu et on adore des créatures, on adore les cours d'eau, les arbres, les serpents, je ne sais pas quoi, forcément, on attire la malédiction. Ça ne peut résulter que dans une pauvreté, la misère. Il faut voir comment nos villages sont ici. Et les gens sont tous les jours chez les marabouts et tout. On voit ça, c'est tellement criard. On n'a même pas besoin, c'est tellement visible. Où les gens passent leur temps sur chez les voyants, les devins, mais ils n'ont même pas 5 francs pour acheter l'huile de palme et manger. Parce que c'est la malédiction. Et nous devons sortir de ces fondations-là. C'est ça qui nous suit en fait. Nous tous, on devrait être des multimilliardaires et créer des industries, occuper, voilà, employer des gens. Mais on se bat simplement pour avoir de quoi manger, avoir un toit et puis
dit, voilà, on est béni. Ça, c'est une bénédiction limitée. Je ne sais pas si j'ai répondu, Tata. Non. Amen, amen, amen. Ça, c'est un sujet à développer à part le sort de l'Afrique. Et l'heure de l'Afrique est vraiment là. N'en déplaise à ceux qui veulent continuer à l'exploiter. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le Seigneur dit que lorsqu'ils vont se retourner vers lui, alors quelque chose va se passer. Et il dit même au chapitre 43, c'est ça, chapitre 43, vous pourrez plus des choses de temps. Tiens, quand je suis sur le point de faire une chose nouvelle, je suis sur le point de faire une chose nouvelle pour l'Afrique. Je laisse la parole à la sœur Marcelline, si elle a encore envie de vous poser sa question. Ma question était simplement de savoir comment faire pour entrer en possession du livre écrit par le pasteur Josué dont il a parlé tout à l'heure. Bon, je vais voir ça avec le pasteur Ernest. C'est très simple. En attendant, nous avons déjà d'autres livres ici, notamment le livre sur la communication dans le mariage. La responsabilité des parents dans les études, si je me trompe, et puis la sexualité et la destinée. Ce sont aussi des livres que nous avons déjà disponibles ici au Canada. Amen. Je conviens fortement à tout le monde. Et parmi ces livres, en fait, avant sur les fondations, il y a par exemple le livre sur ta sexualité et ta destinée. Tous les parents doivent recevoir ce livre et faire lire à leurs enfants, je vous en prie. Cela peut trouver des enfants tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ta sexualité et ta destinée. Un livre, je suis déjà à la consécration de ce livre. Donc, prenez possession de ce livre. Dans des parents, si on a le couple, c'est très bon pour l'harmonie conjugale. J'encourage vivement tout le monde à prendre ce livre. Merci beaucoup. Ah, il n'y a plus de questions dans la salle, ni en ligne. Voilà, on va devoir conclure ici. Je voudrais simplement rappeler que tout est enregistré et que vous pouvez réécouter et surtout partager. N'est-ce pas? Allez sur le site de YouTube de l'Église. Vous pouvez aussi partager et liker pour le bien de plusieurs. Donc, voilà, on va conclure ici notre séminaire, la deuxième journée. Demain, c'est la troisième journée et nous serons ici rassemblés à 10h. Et le pasteur va apporter un message, une prédication, mais toujours sur le thème et une façon.